Chers amis internautes, bonjour, très heureux de vous retrouver comme toutes les séances de chat vidéo. Donc là, nous avançons dans le temps, nous approchons de la fin de l'année. La rentrée était active, je pense que vous avez pu le constater. Donc sans doute par rapport à cette rentrée et puis peut-être sur d'autres sujets, vous avez plusieurs questions à me poser. Mais écoutez, sans perdre de temps, première question. Bonsoir à tous, bonsoir monsieur le maire. La première question nous vient de Sophie. Pourquoi la place Gordaine est-elle devenue définitivement piétonne ? Bah, tout simplement parce que ça a devenu une nécessité. Bon, vous savez que nous l'avons fait d'abord progressivement. Au départ, la place Gordaine n'était pas du tout piétonne, puisque nous avons commencé à le faire, je crois, en 2014, en 2015 plus exactement, sur les périodes d'été. Puis on a augmenté un peu cette période, puisqu'on est allé du mois de juin au mois d'octobre. Et puis avec les concertations avec les commerçants, l'expérience étant finalement positive, ben, la décision a été prise de rendre complètement cette place Gordaine piétonne. D'ailleurs, c'était déjà le cas aussi pour les fêtes de Noël, hein, pour les périodes de Noël. Et puis voilà, c'est un endroit, je pense, qui mérite, avec toutes ces terrasses, tous ces magasins, qu'on puisse flâner ou se poser, comme on dit actuellement, tranquillement, sans avoir de passage de voiture. Donc voilà, vous savez, c'est à dose homéopathique. Sur les changements de la ville, il faut y aller progressivement. C'est ce que nous avons fait. Donc cette décision a été prise et je crois qu'elle fait quasiment l'unanimité. La question suivante est posée par J.B. Rodriguez. Pourquoi ne pas avoir profité des travaux rue Moyenne pour la rendre piétonne durant ce temps ? Parce que là aussi, c'est la même réponse. Hein. Il faut avancer par méthode homéopathique. Bon, ce n'est pas le sujet. Donc là, la rue a changé de sens pour des questions de travaux. Je crois que vous l'avez bien compris. Travaux qui vont nous amener au printemps de l'année prochaine. Mais la question de la piétonnisation de la rue Moyenne, vous savez, ça date de très très longtemps. Sauf qu'il y a quand même des éléments nouveaux. Ce n'est pas si simple que ça, puisque nous avons fait, je ne sais pas si vous avez su, quelques comptages au mois de la dernière semaine de mai, plus exactement, pour voir dans ce secteur-là comment circulent les véhicules, et notamment une enquête, ce qu'on appelle l'origine-destination, de savoir une voiture, par exemple, qui habite rue des Arènes et qui se dirige rue du Commerce, où est-ce qu'elle va ensuite. Et en fait, pour faire simple, hein, sans rentrer trop dans le détail, il faut savoir qu'il y a à peu près, sur entre 6 000 et 8 000 véhicules jour qui empruntent la rue Moyenne, et il y en a à peu près 2 000 qui viennent du parking Cujas. Donc ça veut dire que si on rend la rue Moyenne piétonne, par où on évacue ces véhicules ? Par la rue du Commerce, ça voudrait dire qu'il faut lui donner le sens inverse. Par la rue Jacques-Cœur ou par la rue Branly, ou par la rue Porte-Jaune, si on change de statut. Donc vous voyez, ces rues-là que je viens de citer ne sont pas en capacité de recevoir autant de véhicules. Donc ça veut dire que la piétonnisation aujourd'hui, cette décision n'est pas si simple que ça. Ça voudrait dire peut-être qu'il faudrait supprimer le parking Cujas. Alors j'entends d'ici les commerçants qui ont déjà les bras en l'air. Donc voilà, donc là, je pense qu'il faut qu'on ait cette réflexion, notamment dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, hein, dans laquelle nous sommes inscrits. Et moi, je crois plus aujourd'hui en un changement de statut en zone de rencontre, hein, ce qu'on appelle les zones 20. On a ça notamment à proximité, la rue Jacques-Cœur est en zone 20, où le piéton et le cycliste a priorité sur le véhicule à moteur. Mais voilà, vous voyez, c'est pas pour l'instant d'actualité, mais en tout cas, on a un élément qui est nouveau, très factuel, qui conforte dans l'idée que voilà, on ne prend pas une décision comme ça sans en connaître et en mesurer les conséquences et les solutions qu'on peut apporter derrière. La question suivante est posée par Pierre. Pourquoi avoir inversé le sens de circulation de la rue Moyenne ? Je ne comprends pas en quoi cette modification contribue au bon déroulement des travaux de l'îlot. Bah, tout simplement parce que au cours des travaux de l'îlot Victor Hugo, donc le haut de la rue Moyenne est barré. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui en particulier, mais elle va être barrée de nouveau donc, à partir de lundi. Et puis qu'il fallait faire le choix, soit effectivement on laissait la rue Moyenne dans le sens montant, soit on faisait le choix dans le sens descendant. C'est simplement pour des raisons très pratiques. D'abord, nous avons exposé ces deux propositions donc, en réunion publique au mois de juin, de mémoire, ou début juillet, en demandant aux personnes présentes et celles qui n'étaient pas de nous faire des contre-propositions, nous apporter des arguments dans un sens ou dans l'autre. Bon, on n'en a pas eu en l'occurrence. Et le choix a été fait d'un point de vue très technique, tout simplement en imaginant simplement les livraisons, hein, les camions qui utilisent la rue Moyenne pour des livraisons. Il aurait fallu les faire évacuer, évidemment, par des rues adjacentes. Et
Prenez simplement le cas de la rue Michel de Bourges. Déjà, si vous avez l'occasion d'emprunter pour rejoindre la rue Porte Jaune en voiture, c'est quand même pas très facile au débouché de cette rue. Alors imaginez des camions, alors que c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide, effectivement, de changer le sens. Et je pense que globalement, ça se passe plutôt bien. La question suivante est posée par David. Avez-vous l'intention de donner une autre vie à la place Cujas ? Oui, chaque chose en son temps. J'évoquais tout à l'heure le plan national cœur de ville. Donc ça, pour ce qui nous concerne, il y a un travail qui est en cours justement pour redynamiser le centre-ville, alors à travers les commerces, à travers l'attractivité de façon générale de notre ville. Et ça passe effectivement par des aménagements d'espaces fonciers, d'espaces publics. Et effectivement, les places, on est en train de travailler sur l'îlot Victor Hugo. La place Cujas mériterait cette réflexion. La place Gordaine aussi, hein, même si aujourd'hui elle est piétonne, sa conception mériterait aussi qu'elle soit revue. Donc voilà, c'est tout ce programme qui est intégré dans le programme Cœur de Ville. Et puis, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que si on aménage la place Cujas, c'est-à-dire on supprime le parking, tout ou partie, ça signifie qu'on perd du stationnement en centre-ville. Et j'ai la même réponse que j'ai eue avec l'interlude précédent. J'entends déjà les commerçants lever les bras au ciel en disant surtout ne supprimez pas de stationnement en centre-ville. Mais enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir cette réflexion à un moment donné. Alors, une question de la session précédente. Cécilia voudrait savoir, est-ce que les places de parking pour les personnes handicapées sont payantes ? Oui, elles sont payantes. Alors, sauf dans les zones où elles ne sont pas payantes pour les personnes valides. C'est un peu une règle qu'on s'est donnée. Je sais que dans certaines villes, c'est différent. En tout cas, nous, on adopte cette règle-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans une politique d'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde, on va dire, des valides, il n'y a aucune raison justement qu'on fasse de la ségrégation dans ce sens-là. C'est le choix qu'on a fait. C'est peut-être pas le bon, je ne sais pas, tout est discutable, mais en tout cas, voilà, on a choisi de traiter toutes les personnes à la même enseigne sur le stationnement. Une question de Shrekette Marie. Est-il possible de réfléchir au problème suivant ? Le parking de la piscine est extrêmement petit et pas du tout prévu pour les activités du mercredi. Je ne sais pas si c'est une question de la dernière fois, mais en tout cas, j'ai vu cette question sur les réseaux sociaux hier, pas plus tard, qu'hier exactement. Alors, il est trop petit, oui. Le souci, c'est comment l'agrandir. C'est très compliqué, hein. Vous voyez un peu l'environnement. Le dojo, géré d'un côté, la piscine de l'autre, la voirie aussi qui borde d'un côté, une autre voirie qui longe le foyer de personnes âgées. Et on voit bien qu'on est contraint. Alors la seule solution technique qui pourrait, à mon sens, être mise en place, ça serait de créer un parking aérien. Hein, c'est ce qui se fait dans quelques villes. Je vous dirais qu'actuellement, ce n'est pas d'actualité. Après, il faudrait réfléchir à l'accès aussi des bus hein, qui utilisent aussi ce parking. Et c'est vrai que c'est un parking non payant, je souligne, qui parfois est utilisé par des personnes qui travaillent ou qui souhaitent aller en ville. Et donc, il n'est pas exclusivement réservé aux équipements sportifs qui se trouvent à proximité. Voilà. Alors maintenant, aussi, autre réponse. Hein, on peut effectivement se rendre en voiture quand on va faire du sport, mais on peut utiliser le vélo, on peut utiliser la marche à pied, on peut utiliser les transports en commun. Une question de Dominique qui voudrait savoir où vous en êtes dans votre combat pour la non-fermeture des bureaux de poste d'Asnières et de Carnoux. Écoutez, le combat est toujours d'actualité, hein, tout simplement parce que on a peut-être naïvement, j'ai cru qu'à un moment donné, la négociation avec la Poste était possible. Je me suis rendu compte depuis quelques mois que ce n'était que la direction ou l'orientation qui était soi-disant proposée à l'époque, qui était finalement un cap que la Poste avait dès le départ et qui ne souhaitait pas changer. Donc, à un moment donné, si vous voulez, on négocie, on essaie de trouver un terrain d'entente. Et puis, quand on est en face un interlocuteur qui ne veut pas entendre, eh bien, on est dans le dur. Et actuellement, on est vraiment en lutte, en collaboration avec les collectifs qui se sont montés. Et on mettra tous les moyens en œuvre pour éviter ces fermetures de postes qui, de toute manière, j'ai toujours dit, un service au public. Et il faut veiller que dans les quartiers, les services au public restent disponibles.
Une interrogation de Misa. Que comptez-vous faire pour rendre la ville moins ennuyante pour les jeunes? On ne digère pas la fermeture de la piscine Robinson. Écoutez, si l'animation de la ville, et notamment pour les jeunes, ne dépendait que de la piscine Robinson, ça serait. Quand la piscine Robinson était présente, on avait exactement les mêmes questions, les mêmes remarques. Je crois pas que l'animation de la ville ne se fasse qu'à travers des piscines. Il y a des... D'abord, on est assez doté sur l'agglomération. Ensuite, on crée des animations qui n'existaient pas auparavant. Alors, pour les jeunes et les moins jeunes, il faut penser à toutes les catégories. Je veux rajouter, puisqu'on est un peu sur le domaine de l'activité nautique, la plage de Bourges qu'on a mis en place maintenant depuis 3 ans. Voilà, c'est aussi avec des animations autour, avec des plaines de jeux. Voilà, donc je pense qu'on fait beaucoup de choses pour toutes les catégories d'âge. On n'oublie personne. Il y a beaucoup d'animations qu'on lit aussi à Bourges pour les jeunes. Il suffit de regarder régulièrement le sortir à Bourges et vous voyez plein d'animations. Bien sûr, on peut faire plus, mais enfin, j'estime qu'on fait beaucoup aujourd'hui. En tout cas, le lien entre l'animation de la ville et la fermeture de la piscine Robinson, je trouve que le virage que vous prenez est un peu court, un peu serré. Alors, la prochaine question est posée par Jacques. Je suis arrivée depuis peu sur Bourges pour me rapprocher de mes enfants et petits-enfants. Que faire quand on est senior à Bourges? Il y a plein de choses à faire quand on est senior à Bourges. Ça rejoint la question précédente sur les jeunes. Donc, pour les personnes seniors, je ne sais pas quel âge on est senior en fait, mais en tout cas peut-être des personnes qui ne sont pas en activité ou en fin d'activité professionnelle, il y a des tas de choses à faire, notamment je vous orienterai vers le CCS qui a cette mission au sein de la ville de Bourges de créer des animations pour les seniors. Il y a plein de choses à faire. Donc moi je vous engage à rencontrer les agents du CCS et vous verrez qu'il y a plein de choses à faire. Et puis des choses qui ne sont pas forcément organisées par la ville de Bourges. Vous avez du théâtre, vous avez de la musique, vous avez des concerts, vous avez des bibliothèques, vous avez la médiathèque. On a une médiathèque qui est extrêmement intéressante avec des offres vraiment diversifiées. Dès qu'on veut s'intéresser, je dirais, à des animations, à des activités à Bourges, si on a cette volonté, on trouve forcément chaussure à son pied. Donc voilà, je vous conseille de venir nous voir ou de rencontrer le CCS et vous verrez qu'il y a plein de choses à faire pour les seniors. Une question de Nathan. Quelles actions proposez-vous afin de soutenir les commerçants du centre-ville face à la multiplication des zones commerciales en périphérie? Il est nécessaire de porter une action au niveau de Bourges Plus, sinon le moratoire actuel ne sert à rien. Oui, c'est ce que j'entends dire et puis j'ai déjà répondu à cette question. J'ai pris la responsabilité en tant que maire donc de prendre ce moratoire et depuis un peu plus d'un an maintenant, il a été respecté. Les projets qui avaient démarré avant ce moratoire, qui ont débouché, forcément ne sont pas impliqués. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous le voyez, il n'y a pas de nouveaux projets en tout cas qui naîtront sur la ville de Bourges. Alors, je partage avec vous cette idée. Il faut qu'on étende cette réflexion au sein de l'agglomération de Bourges Plus. Ce n'est pas forcément un sujet très facile à traiter parce que chacun voit parfois midi à sa porte. Et là, il faut qu'on travaille en termes de solidarité et de compréhension mutuelle. Vous savez, les maires des communes d'agglomération comprennent bien aujourd'hui la nécessité que la ville-centre soit un vrai moteur de l'agglomération et ont aussi compris que si la ville-centre mourait, les communes d'agglomération mourront en même temps. Donc c'est un vrai sujet. J'ai déjà échangé avec Madame le maire de Saint-Germain-du-Puy sur le sujet. Elle milite plutôt pour continuer effectivement à développer des activités économiques sur sa commune. Mais voilà, je dis attention parce qu'on le voit d'ailleurs, si vous prenez la route de la Charité, il y a l'arrivée de nouvelles enseignes, de nouveaux bâtiments, et puis il y a aussi des friches. Il faut aussi, et peut-être que le législateur peut nous aider aussi dans ce domaine-là, hein, parce qu'il y a un vrai souci, et Rémy Pointereau, sénateur qui a eu en charge ce dossier, ce rapport qu'il a remis au gouvernement, note bien que les collectivités aujourd'hui n'ont pas les moyens d'interdire l'implantation commerciale, si ce n'est pour des problèmes purement techniques et d'urbanisme.
Mais notamment tout le sujet de l'impact économique de l'arrivée de nouveaux commerces sur un territoire n'est pas pris en compte, n'est plus pris en compte, ce qui était le cas avant. Et ça, il faut aussi que le législateur fasse évoluer les compétences en fait, ou le pouvoir en fait, des collectivités pour réduire l'implantation des surfaces commerciales en périphérie. Ceci dit, les problèmes de désertification commerciale de centre-ville ne sont pas dus qu'à ça. Hein, il y a aussi, je pense, un pouvoir d'achat. Il y a aussi le choix des clients, parce qu'un commerce fonctionne, ben évidemment, s'il y a des commerçants, mais s'il y a des clients. Il faut aussi que les clients les commerçants de centre-ville soient attractifs par rapport à l'attente des clients, tout simplement. Donc, il y a une démarche globale. C'est tout le sujet aussi du plan national cœur de ville dans lequel nous sommes inscrits. C'est aussi de participer à l'attractivité de notre centre-ville, qu'on a envie de s'y promener. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais il y a des choses à améliorer. Il y a un gros travail à faire, notamment sur les aménagements d'espaces publics. Donc c'est tout l'objet du plan cœur de ville qui traite ces sujets-là. Il y a aussi le problème de l'habitat, qui est aussi un vrai sujet. Les commerces de proximité fonctionneront aussi d'autant mieux que s'il y a de l'habitat développé en centre-ville, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce que des propriétaires ont aménagé leurs biens parfois en appartement, des appartements qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas accessibles pour les personnes plus âgées. C'est tous ces sujets qu'on doit traiter dans ce plan cœur de ville qui est une vraie opportunité et dans lequel nous sommes inscrits assez rapidement et fortement. Et en tout cas, on va avancer très vite sur ce sujet-là. Alors, une question de Clara. Pourquoi avoir décidé de mettre le stationnement payant depuis janvier 2018, place de la Nation ? C'est un souci de cohérence, en fait. Alors, prenez le cas de la place de la Nation, mais il y a d'autres secteurs en ville, tout simplement, parce que, alors, prenant le cas de la place de la Nation, vous allez très vite comprendre, c'est qu'on a une place de la Nation où vous avez un parking ouvragé, donc extérieur qui est payant, et à côté, vous aviez des rues où le stationnement ouvrier ne l'était pas. Ce qui fait qu'il y avait un déséquilibre de proximité. Et dans un souci de cohérence, on a regardé de manière à faire en sorte que les rues qui encadrent ou qui sont en proximité donc de parking ouvragé payant le soient aussi, voilà, tout simplement. Et puis en plus, ça favorise ce qu'on appelle le turnover. Et les commerçants, ils sont plutôt favorables d'ailleurs. Hein, notamment, je prends un exemple sur la rue Fernault. Vous savez que la rue de Ron est une rue où le commerce peine particulièrement. Et le fait d'avoir rendu payant la rue Fernault, où on avait des voitures ventouses qui ne bougeaient pas tout au long de la journée, m'a fait en sorte qu'il y a toujours des places pour se garer. Et donc, ça a permis de donner un coup de pouce au commerce de la rue de Ron. Voilà, tout simplement. Alors, oui, si je peux me permettre encore quand même une réponse là-dessus, sur le paiement. Alors, j'ouvre une parenthèse, tout simplement pour bien vous faire comprendre que les tarifs des parkings ouvragés ont diminué depuis le 1er janvier, donc ça on ne le dit pas assez. Certes, on a mis des zones payantes dans les voiries là où ça n'était pas. Rappelez aussi que le parking sur voirie est gratuit à partir de 17h tous les jours. Et puis quand vous regardez les tarifs à Bourges par rapport à des villes de la même taille, vous verrez que nos tarifs de parking, de stationnement sont plutôt faibles. Alors donc, la question de John, la rocade de Bourges va-t-elle un jour passer en quatre voies ? La circulation sur cette rocade est insupportable. D'abord, il faut qu'on la finisse, cette rocade de Bourges. Hein. Enfin, il aura fallu... on est en cours, hein. C'est un projet porté par le département, hein, pas par la ville ni par l'agglomération, même si l'agglomération participe financièrement au projet. Quand est-ce que les travaux sont terminés? Bon, c'est à l'horizon de 2-3 ans. Vous voyez, il aura fallu à peu près 40 ans pour faire le tour de la ville de Bourges avec une rocade, qui est quand même, je pense, une exception. Et je pense qu'on est peut-être dans le livre le record des Guinness. Bon, voilà. Tout ceci étant dit, il y a cette capacité à passer en deux fois deux voies. Je pense que... Effectivement, je partage votre avis sur certaines heures de la journée où la rocade est chargée, et encore sur certains tronçons, ce n'est pas le cas dans la grande majorité du temps. Et je crois que c'est quand même un bénéfice, cette rocade, ne serait-ce qu'en l'état. Vous savez, sur des gros investissements, ça coûte quand même excessivement cher. Et pour l'instant, je pense qu'il faut se contenter d'avoir fini au moins cette rocade pour envisager, effectivement, de pouvoir éventuellement, sur certains secteurs, augmenter le nombre de voies. Mais en tout cas, très, très, très clairement, ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Alors, la
question suivante est une question de la session précédente. Elle est posée par Sylvie. Pourquoi autant de travaux à Bourges en même temps ? Rue Moyenne, rue Louis Mallet, le rond-point vers le Prado. Oui, et puis quand on ne fait pas suffisamment de travaux, on râle parce que les rues ne sont pas en état. Alors voilà, il y a un moment donné, il faut faire. Ce sont souvent des mauvais moments à passer. Hein. Vous savez, après on oublie. J'en discutais il n'y a pas très longtemps avec mon collègue Gilles Lavrousse, maire de Châteauroux, qui est en train de refaire la place Gambetta à Châteauroux, donc ils sont plutôt sur la fin. Il y avait une forte demande des habitants de Châteauroux pour refaire cette place. Évidemment, ben, pendant cette période de travaux, ça a perturbé les cheminements, et donc la population a râlé. Bon, maintenant c'est terminé, je crois que tout le monde aura oublié. Voilà, c'est le prix à payer quand on veut refaire des routes. Alors, est-ce qu'il fallait ne pas faire la rue Loumalet? Vous savez, c'est un projet qui date de très longtemps. Cette rue devait être refaite d'une façon conséquente. Elle était dans un état épouvantable. Donc nous avons donc pris cette décision et c'est un engagement que j'avais pris en 2014, en l'occurrence. Et puis bah, la rue Moyenne, c'est une décision plus récente qui était aussi inscrite dans notre programme. Donc, le temps de faire les études, on arrive à ce moment-là de la période du mandat pour réaliser ces travaux. Voilà, il n'y a jamais de bon moment. Vous savez, quand vous discutez avec les gens qui empruntent, enfin nos administrés ou non d'ailleurs, qui empruntent ces rues ou ces espaces, ben, ça fait toujours râler quand il y a des travaux. C'est des discussions permanentes avec les commerçants quand on fait des travaux en centre-ville. Les commerçants aujourd'hui réclament des travaux en centre-ville, ce qui est complètement justifié. Sauf que quand on fait les travaux, ben, ça ne va jamais, c'est jamais le bon moment. Alors entre les sols, entre les fêtes de fin d'année, entre le printemps de Bourges, entre les fêtes Jacques Cœur, entre tous ces moments-là, c'est jamais possible, quoi. Ou alors il faut être capable de faire les travaux en 15 jours, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Donc voilà, ben, c'est des moments difficiles à vivre, hein, je comprends tout à fait. Mais après, quand les choses sont faites, on finit par oublier. Je prends l'exemple, vous savez, des travaux qui ont duré 2 ans et demi à avenue Marcel Aiglen. Dieu sait que ça a été compliqué. Bon, mais maintenant, tous les habitants qui sont à proximité, les commerçants, en sont très satisfaits. Et toutes les habitations et les maisons ont pris beaucoup de valeur grâce à ça. Donc voilà, on ne fait pas de mettre sans casser des œufs et on n'embellit pas la ville sans faire des travaux. La question suivante est posée par Jérôme. Serait-il possible d'envisager un projet d'aménagement de trottoirs et d'éclairage public en partant, alors, de la Fourchette jusqu'à anciennement l'enseigne Chickenberry, route de la Charité à Saint-Germain-du-Puy? C'est trop dangereux pour les piétons et les cyclistes de jour comme de nuit. Oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est un secteur qui mériterait d'être sécurisé. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas dans un secteur où il y a beaucoup, beaucoup de piétons, mais en tout cas, il y en a quand même qui l'empruntent, ne serait-ce ou pour se déplacer sur les zones d'activité ou pour aller travailler, hein, tout simplement. Ça fait partie, effectivement, des réflexions qu'on doit avoir. Mais voilà, on ne peut pas tout faire. Vous voyez, la question précédente, on fait trop de travaux en même temps dans la ville, et là, vous en demandez d'autres. Alors, imaginons qu'on soit en train de déclencher des travaux dans ce secteur-là, et on va nous dire qu'on en fait trop. Voilà, il y a chaque chose en son temps. On a 250 km de voirie à Bourges, ça fait à peu près 500 km de trottoir. C'est 500 km, c'est l'aller-retour entre Bourges et Paris, pour donner un ordre de grandeur. Et on ne peut pas tout faire. On alloue un investissement à peu près 1 million à 1 million 5 tous les ans pour faire des trottoirs et des chaussées. Je ne parle pas de requalification complète, de réfection complète. J'ai le sentiment qu'on n'en fait pas assez. Sauf que, vous voyez, avec un budget comme ça, ces conséquences, ces budgets d'investissement sont conséquents. Et on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Mais en tout cas, votre remarque est pertinente. Et effectivement, il faudra qu'on regarde ce que l'on pourrait faire dans les futurs budgets. Une question de la session précédente posée par Corinne. Pourquoi ne retire-t-on pas les décorations de Noël sur la commune d'Asnières, les Bourges, soi-disant que ce serait pour faire des économies? Dans ce cas, pourquoi ne pas les laisser également rue Moyenne? Oui, alors c'est une vraie question, tout à fait. Donc la réponse est bien celle-là. Alors il n'y a pas que le quartier d'Asnières, hein, il y a d'autres quartiers à Bourges pour lequel on n'enlève pas les décorations de Noël. Je ne sais pas si vous circulez un peu en France, mais ça se fait de plus en plus depuis des années, en l'occurrence. Hein. Parce que c'est un coût. C'est un coût de montage, de démontage. Quand on démonte et qu'on remonte, on a des risques aussi de casse, donc après, il faut remplacer. Et on a fait effectivement ce choix dans certains quartiers où ça nous gênait moins, je dirais globalement, de laisser ces décorations. Alors, on n'a pas fait partout dans la ville, hein, je vous l'accorde, mais en tout cas, on a essayé de le faire là, des endroits où il n'y avait pas de risque. Vous savez, rue Moyenne, bah, on a aussi cette problématique parfois avec les illuminations, le choix qu'on a fait d'être accroché par des camions de livraison. On a déjà eu ce cas, d'ailleurs, pendant les fêtes de Noël. Donc, pour sécuriser tout ça,
on a préféré dans ces secteurs les enlever. C'est le cas des plafonds lumineux aussi, notamment sur la place Planchat, donc on les enlève. Mais voilà, la raison est tout à fait celle-là. En termes d'économie de fonctionnement, vous savez que c'est un cheval de bataille depuis le début du mandat. Il faut qu'on réduise nos coûts de fonctionnement. Et parmi les actions, alors celle-là paraît peut-être mineure, mais elle contribue, comme les autres, à maintenir et à maîtriser nos dépenses. On a fait ce choix de ne pas demander remonter, tout simplement. Une question de Popiette. Concernant le stationnement au niveau de l'avenue de Saint-Amand avec les structures sportives à proximité, les voitures se garent n'importe où et n'importe comment, voire même chez les gens. Quelle initiative comptez-vous prendre ? Alors, avenue de Saint-Amand, j'ai bien connu dans le passé, il y avait des activités sportives, il y en avait d'ailleurs plus qu'il y en a aujourd'hui, dans des secteurs qui sont très, très localisés, notamment à certaines heures de la journée, plutôt en fin de journée. Les voitures stationnées n'importe comment, ça doit être parfois compliqué, parce que, en fait, on voit bien l'avenue de Saint-Amand est très structurée, en plus vous avez des arbres et des emplacements, il n'y a pas beaucoup de possibilités de déroger, mais par contre, sur quelques rues adjacentes, je pense à la rue Benoît-Malon, j'y suis passé il n'y a pas très longtemps, effectivement, les gens se garent un peu n'importe où. Après, chez le particulier, malheureusement, c'est aussi au particulier de régler ce problème, dès lors que nous, on ne peut pas intervenir. Maintenant, on fera peut-être passer de temps en temps la police municipale pour s'assurer que la réglementation sur le domaine public est bien respectée. Après, il faut faire preuve aussi un peu de souplesse. Il y a peut-être des gens qui s'arrêtent, qui ne sont pas forcément stationnés, qui attendent que quelqu'un sorte de la salle de sport pour les récupérer, notamment quand il y a des enfants. Donc voilà, je pense qu'il faut faire preuve un peu de fermeté, mais en même temps un peu de tolérance. Mais voilà, on fera intervenir la police municipale sur ce sujet. Une nouvelle question de J.B. Rodriguez. Pourquoi la localisation du projet de la future STEP, retenue, est en pleine zone inondable ? Oh, parce que c'est absolument pas gênant. La preuve, c'est que la station d'épuration qui est opérationnelle aujourd'hui, elle l'est aussi en zone inondable. Donc c'est pas un problème, en tout cas, puisqu'on sait gérer, techniquement ce sujet-là. Ça fait l'objet du cahier des charges et des propositions qui ont été faites. L'avantage de ce terrain-là, c'est qu'il est d'abord à proximité de l'autre, puisqu'on est de l'autre côté du chemin de la prairie, et puis que ça va permettre effectivement une transition facile. Ça aussi contribue à ne pas changer de lieu, c'est-à-dire qu'une station d'épuration, dès lors que vous voulez l'implanter quelque part, c'est forcément toujours un problème, puisque chacun est bien conscient de la nécessité de la station d'épuration, mais surtout si elle est loin de chez lui. Et là, du fait qu'on était à proximité, on a considéré qu'elle générait de toute manière pas plus que celle d'aujourd'hui, même au contraire, elle générera d'autant moins qu'il y a des exigences nouvelles qui sont arrivées entre-temps, et notamment sur les problèmes d'odeur qui doivent être réglés d'ailleurs. Il y aura des contrôles qui sont faits par les services de l'État. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, la zone inondable, ce n'est pas un problème, j'aurais même tendance à dire au contraire. Toujours une question de la session précédente posée par Cécilia. Pour faire une carte grise lorsque nous n'avons pas d'ordinateur, où pouvons-nous réaliser cette opération à Bourges ? Alors, je n'ai pas la connaissance de tous les lieux. Je sais qu'il y avait un lieu rue de Serrecourt. Je ne sais pas si c'est toujours opérationnel. Je ne suis jamais rentré, mais j'ai vu ici, vous pouvez faire votre carte grise. Donc, donc je vous engage à y aller. C'est à proximité de l'intersection entre la rue de Serrecourt et la rue du Château d'Eau, tout au début. Et puis sinon, vous avez l'autre possibilité, c'est de venir en mairie. Si vous ne le savez pas, donc je vais pouvoir vous le dire. Vous avez depuis 2 ans maintenant, un an et demi à peu près, vous avez des ordinateurs à votre disposition. Donc vous pouvez faire cette opération gratuitement en mairie. Et puis si vous avez besoin d'aide, les agences se feront un plaisir de vous aider. Donc n'hésitez pas aussi à venir en mairie. Une question de Nicolas. Je travaille rue Charles Durand. Pourquoi le sens de circulation change quasiment tous les mois depuis l'installation des chicanes ? C'est dangereux. Pourquoi avoir mis un stop dans un rond-point ? Le changement de statut, sincèrement, je ne suis pas au courant. Le maire n'est pas au courant forcément de tout ce qui se passe dans sa ville, même si j'estime connaître beaucoup. Je pense que le stop qui a été mis
sur le giratoire, c'est pour ralentir la vitesse et obliger les véhicules à s'arrêter. Parce que vous savez, quand il y a un stop, on doit s'arrêter au moins 3 secondes et pour repartir. Et ce n'était sans doute pas le cas avec le giratoire tel qu'il a été fait. Et comme on est finalement un peu sur une ligne droite, ou relativement linéaire, les voitures devaient arriver assez rapidement. Par contre, le changement de sens, ben, sincèrement, je ne suis pas au courant. Vous me l'apprenez. En tout cas, je poserai la question au service, pourquoi ces changements de sens. Une question de Laurent. Comment se fait-il qu'aucune ligne de bus ne desserve l'hôpital Georges Sand de rue Louis Mallet? Est-il prévu d'en créer une? Alors aujourd'hui, sur le court terme, non. Avec les travaux, je pense que ça ne serait pas judicieux. Vous savez, sur le réseau de bus, il y a eu un gros travail qui a été fait avant, depuis il y a 2 ans. Il a dû commencer il y a 2 ans, à peu près à cette époque-là, où on a voulu profiter donc, du changement de délégataire. Enfin, il n'y a pas eu un changement, mais il y a eu la relance d'un marché, puisqu'on est reparti finalement avec le même délégataire, pour réfléchir sur le réseau de bus. Parce qu'un réseau de bus nécessite d'être à jour en permanence. Parce qu'on ne s'en aperçoit pas tous les jours, mais la ville bouge beaucoup, en fait. Il faut effectivement adapter les réseaux de bus de manière à assurer, autant que faire se peut, et répondre aux besoins de la majorité. Alors, je ne vais pas dire tous, parce que c'est juste pas possible, mais en tout cas, à la majorité, parce qu'il y a, ben, y a des lotissements qui se créent, y a des friches qui se créent, des friches industrielles, donc où il n'y a plus d'activité, il y a des transferts d'activité dans d'autres secteurs. Donc, on a fait ce travail sur un avant-projet, puis on a invité des usagers de bus, des non-usagers et aussi... Et aussi des scolaires, des jeunes, parce qu'en fait, les scolaires utilisent beaucoup les bus. Et sur cet avant-projet, il a été critiqué, il a été amendé. Sur certains points, on a écouté des propositions. Alors, il y a des choses qu'on a retenues, des choses qu'on n'a pas retenues. Hein. Notamment, quand on reparlait de mettre des bus le soir et le dimanche matin. Donc, par expérience, on sait qu'il y a une forte demande. Mais par contre, quand c'est mis en place, il n'y a personne dans les bus. Donc, voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles on a travaillé. Et donc, on a essayé, une fois encore, avec les usagers et ceux qui pourraient l'être dans le futur, d'imaginer le réseau le plus opérationnel possible, qui réponde le plus possible aux besoins des usagers, actuels ou futurs, mais en même temps, faire en sorte que tout ça rentre dans des enveloppes financières qu'on puisse digérer, parce qu'il n'y a pas de secret, hein, il n'y a rien de gratuit. Plus on augmente le réseau, plus on augmente le nombre de kilomètres que fait un bus, plus effectivement la prestation elle est chère, et à un moment donné, il faut bien que quelqu'un paye. Donc c'est soit à travers les tarifs, soit à travers les collectivités qui viennent compenser le déficit, parce que c'est bien comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'est toujours une question d'équilibre, mais ça veut dire que, voilà, quand les travaux seront terminés, on pourra se reposer la question de la desserte de la rue Le Mallet, ça peut avoir du sens. Une question de Georges. Les nuits bleues de cet été nous ont laissé sur notre faim. Avez-vous lancé une réflexion sur un nouveau programme pour l'année 2019? Oui, tout à fait. Ça vous a laissé sur votre faim, moi aussi. Bon, je ne vais pas revenir sur les raisons du pourquoi, du comment. Enfin, en tout cas, voilà, on a fait ce qu'on a pu. C'était globalement pas mal réussi, mais complètement perfectible. Et là, je suis complètement d'accord avec vous. Donc, fort de cette expérience, effectivement, on a travaillé. On a un groupe de travail qui s'est réuni depuis mi-septembre, qui va rendre ses conclusions là, très prochainement, sur un projet global qui peut être pluriannuel, d'ailleurs, en l'occurrence. Mais en tout cas, de manière à ce que sur la prochaine saison, les choses soient réfléchies, pensées. Et on a travaillé avec des sachants et des non-sachants, avec des services de la mairie, mais aussi avec des personnes qui aiment leur ville, qui sont des, on va dire, personnalités civiles, et qui ont apporté aussi leur savoir et leur vision des choses. Et ce groupe de travail qui au départ, voilà, c'est des gens un peu qui s'opposaient sur ce sujet-là, mais qui... réellement, à partir du moment où j'ai souhaité qu'on les mette autour de la table, on construit quelque chose qui fait l'unanimité, tout au moins pour ce qui concerne ce groupe de travail. Et je pense qu'on va faire quelque chose de très réussi en 2019, en tout cas je l'espère, et puis sans doute les années qui vont venir. Donc voilà, donc les cahiers des charges sont en cours de rédaction maintenant. On va consulter prochainement, on devra avoir les retours des offres, je pense tout début de l'année, au mois de janvier, je crois, de mémoire. Je n'ai pas le planning en tête, mais on est un peu sur ce timing-là, pour choisir l'opérateur et puis lancer les opérations pour 2019, pour 2020, et puis au-delà si nécessaire. Question de la session précédente posée par Anthony. À quand l'ouverture d'une grande ligne à l'aéroport de Bourges?
Faut jamais dire jamais, mais j'aurais tendance à dire peut-être jamais. Je crois qu'il faut être raisonnable, il faut être réaliste. Voilà. Aujourd'hui, d'abord, l'aérodrome n'est pas en capacité de recevoir des lignes régulières, en tout cas. Donc, je crois qu'il faut être objectif là-dessus, même s'il y a quelques plus gros porteurs, on va dire, qui se sont posés dans le passé sur cette piste-là, mais elle n'est pas faite pour ça. Investir dans un aménagement, d'abord, c'est très compliqué, sur un coût énorme, et sans forcément un grand, grand besoin. Je milite plutôt aujourd'hui, notamment avec les différentes collectivités et avec l'État, de favoriser, je dirais, un lien qui peut être soit un lien ferroviaire, soit un lien routier, ça peut être les deux à la fois d'ailleurs, qui permettrait de relier plus facilement et plus rapidement et en sécurité Bourges à Châteauroux, de manière à ce qu'on puisse développer effectivement à Châteauroux des lignes aériennes, il y en a déjà d'ailleurs qui se font sur certaines périodes. Alors pour le coup, l'aéroport de Châteauroux a tous les outils pour pouvoir recevoir des gros porteurs. Je crois que c'est l'une des pistes qui est la plus grande d'Europe, il faut le savoir en fait. Donc je me dis plutôt dans ce sens-là, ça serait quand même plus logique que d'imaginer, et je crois que ce serait vraiment pas réaliste d'investir à Bourges sur l'aérodrome qui correspond à un besoin, mais plus sur du vol d'affaires qu'on doit développer, que le prestataire doit développer davantage. C'est un des objectifs dans le marché, la concession qu'on lui a donnée. Ça, c'est un vrai besoin par rapport aux industriels et à l'économie locale. Mais par contre, de là à faire des lignes régulières, donc je crois que c'est sincèrement, c'est pas raisonnable. La question suivante est posée par Stéphane. Le palais des sports du Prado peut-il être utilisé pour d'autres manifestations que le basket ? Bah oui, la preuve, on a fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup d'organisations sportives. On a fait les championnats du monde d'escrime cadet junior, on a fait plus récemment les championnats de France de judo par équipe. On a eu aussi des beaux combats de boxe la fin du printemps dernier. J'en oublie sans doute, mais voilà, on est en capacité de recevoir d'autres organisations, bien évidemment. Après, évidemment, on est contraint par la saison des tangos Bourges Basket, bien évidemment, ça reste une priorité. Mais l'outil est capable, en termes d'organisation sportive, de recevoir tous les sports collectifs. Donc, il a bien été conçu dès le départ pour pouvoir recevoir tous les sports collectifs. Et Nathalie Bonnefoy, qui est maire adjointe en charge des sports, fait à ce titre-là un gros travail, à la fois sur l'utilisation du palais des sports pour d'autres manifestations sportives que le basket, et un gros travail sur l'attractivité de nos territoires, parce que ça passe aussi par là. Donc je tiens à la saluer, comme je fais à chaque fois quasiment au chat vidéo, parce que quand le travail est bien fait, je veux absolument le souligner. Et que voilà, un maire ne fait rien tout seul, il fait avancer aussi sa collectivité parce qu'il est bien entouré de maires adjoints et puis de conseillers municipaux et aussi de services. Et là aussi, j'en profite pour féliciter tout le travail qui est fait par les services, on ne le sait pas suffisamment. Une question à nouveau de la session précédente de John concernant les cantines scolaires. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail ce que vous appelez les produits locaux et bio qui sont servis ? Oui, alors ça, c'est pas une nouveauté parce que déjà l'introduction de produits bio avait eu lieu précédemment, au mandat précédent, mais là j'ai voulu qu'on monte en puissance sur ce sujet-là. Et alors sur les produits, on va dire de qualité, alors bio ou pas bio, mais on voit bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, on intègre du bio dans notre alimentation. Bon, quand on peut le faire, et donc ça me paraissait logique qu'on puisse le faire au niveau de la restauration collective, restauration scolaire. Mais le bio, c'est pas tout, parce que moi aujourd'hui, acheter du bio pour les cantines, si le bio il vient de Chine, on a tout loupé, c'est-à-dire qu'effectivement on peut peut-être avoir des produits de qualité, et encore, il faut être sûr que les contraintes, la labellisation des produits bio soit la même, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, la Chine, j'exagère un petit peu, en tout cas, faisons attention à ça. Mais c'est surtout aussi, d'un point de vue environnemental, parce que mettre des bateaux, mettre des camions sur les routes pour apporter, des produits, c'est un peu idiot quand on a des producteurs locaux qui sont en capacité de faire la même chose. Donc, c'est à la fois
mener un développement des produits bio progressivement dans les restaurants scolaires, et en même temps travailler avec les producteurs locaux, d'abord parce que c'est un soutien à l'agriculture locale, et puis c'est pour ça qu'il ne faut jamais opposer l'urbain au rural, parce que je pense que l'urbain a besoin du rural et le rural a besoin aussi de l'urbain. Donc là, on avait cette possibilité de soutenir, et donc on a fait le soutenir le développement rural local. Alors quand je dis local, c'est évidemment au niveau du département, éventuellement la région. Et puis ça peut permettre, pour revenir au bio, puisqu'en fait on a des marchés de 5 ans, je crois, de 4 ou 5 ans, 5 ans je crois de mémoire, de pouvoir appuyer des producteurs bio qui produisent bio aujourd'hui, mais qui... pas en grosse quantité parce qu'ils n'ont pas suffisamment de clients, de volume pour pouvoir basculer dans une méthode bio, mais de plus grand volume. Et nous, avec, je crois que c'est quasiment 300 000 repas qu'on fait par an, de pouvoir justement leur assurer quelque part un minimum de production sur la durée du marché. Donc c'est tout ça aussi, c'est tous ces éléments-là qui font qu'on a amélioré la qualité de la restauration scolaire, et puis on diminue en même temps, donc ça c'est un peu la constitution des menus, on diminue le gâchis, puisqu'en fait on n'a pas réduit les quantités pour l'équilibre de l'enfant, mais en tout cas on a supprimé un plat, ce qui fait que les enfants ont plus le temps d'ailleurs de manger, ce qui était un peu parfois compliqué dans l'autre formule, et puis il y a beaucoup moins de gâchis. Donc voilà, on fait plus de qualité, on fait travailler les producteurs locaux, on a moins de gâchis, et les enfants s'en portent d'autant mieux. Alors une question de Jeff maintenant. Jeff indique qu'il est Monsieur Chauveau. Oui. Quand allez-vous enfin remettre en état le Lucrone ? Vous m'avez dit que vous étiez en contact avec le lycée Vauvert, mais j'espère que vous ne pensez pas le transformer. Non, on ne cherchera pas à le transformer parce que c'est, on va dire, intransformable. Tout simplement qu'on est rentré un peu plus dans le détail. Et ce que moi j'imaginais, et puis Frédéric Charpagne, adjoint à la culture aussi, c'est qu'il fallait juste changer les lumières. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il faut repenser complètement le pilotage de ces lumières qui s'éclairent, parce que bon, c'est pas simplement quelques lumières qui s'allument et qui s'éteignent. Voilà, il y a un automatisme à mettre en place, et qu'aujourd'hui la partie aussi, donc là ce qu'on appelle le hard, la partie soft est à revoir aussi, c'est toute la partie logicielle. On va s'allouer, et c'est une démarche intéressante, d'un lycée effectivement de Bourges pour remettre à hauteur ce Lucrone, mais il restera ce qu'il était avant, ça ne se verra pas. Par contre, il y a beaucoup plus de choses à changer qu'on l'imaginait. On va mettre aussi des ampoules LED évidemment, mais voilà, c'est pas simplement changer des ampoules, par exemple, c'était plus complexe que ça. Une question d'Emmanuel. Quelles sont les actions futures pour le quartier du Val d'Oraux au niveau sécurité ? Écoutez, vous savez que la sécurité, c'est un vrai sujet sur l'ensemble de la ville. C'est un, même si, je le redis à chaque fois, on n'est quand même pas dans une ville où la délinquance est le point majeur. Mais en tout cas, il y a un ressenti d'insécurité, et ça, je ne le discute pas. Et c'est quelque chose sur lequel on s'est attaché dès le début du mandat. Et on s'était engagé d'ailleurs à ce sujet-là. C'est d'abord multiplier le nombre de caméras de vidéoprotection. On s'était donné un objectif à 100 à la fin du mandat. Et donc, on a largement dépassé cela. Je crois qu'on a implanté, là, j'ai vu une note qui m'est arrivée ce matin. On va en implanter encore une bonne quinzaine sur la ville de Bourges. Donc, d'ici dans le courant entre maintenant et l'année qui vient. Donc voilà, c'est ça. C'est aussi la mise en place de l'équipe de nuit, la police municipale de soirée, qui va démarrer au tout début d'année 2019, qui va permettre effectivement, ça permet d'augmenter les effectifs et en même temps d'être présent davantage sur la ville et en particulier le soir. Et puis, c'est accentuer le travail de collaboration avec la police nationale, qui elle aussi a des vrais soucis d'effectifs. C'est clair, mais il faut qu'on mène des actions communes. Et puis, il faut que tout un chacun participe. On doit être des bons voisins aussi. Hein. C'est aussi à vous, dans les quartiers, d'être vigilant quand vous détectez des choses qui vous paraissent suspectes. Alors, il ne s'agit pas de faire l'allélation, mais au moins signaler quand vous voyez garer dans une rue à plusieurs reprises une voiture qui d'habitude n'y est pas, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'il y a pas, c'est pas quelqu'un qui est en train de surveiller. Voilà, c'est tous ces sujets, et il ne faut pas hésiter à faire remonter ces informations, soit à la police nationale, soit à la police municipale,
Donc voilà, c'est, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Hein. C'était un peu un slogan, mais c'est exactement ça. Et je crois que les choses se sont améliorées. Alors, il y a des moments où c'est plus dur que l'autre. Hein. On vient de vivre ces dernières semaines plus compliquées. Puis après, ça s'arrête et puis ça se calme. Mais il faut être toujours très vigilant. Puis il faut être présent. Il faut qu'on soit tous présents. La question suivante est posée par Chris. La route du centre équestre est impraticable, pardon, autant pour les voitures que pour les vélos et piétons. Comptez-vous agir ? Oui, je sais que c'est un vrai problème. D'ailleurs, les chauffeurs de bus nous le disent aussi souvent. On ne l'a pas programmé sur cette année. Enfin, elle était prévue, mais quand il a fallu qu'on réduise notre enveloppe d'investissement pour arriver aux 23 millions d'euros du budget 2018, on a fait ce choix de ne pas retenir cette rue. Donc, j'imagine qu'elle va être reprogrammée donc, pour l'année 2019. Vous avez raison, c'est un vrai besoin. Mais maintenant, une fois encore, il faut qu'on priorise tout ça. On ne peut pas faire toutes les rues de Bourges en même temps. Mais vous avez raison, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Elle est vraiment dans une situation très, très compliquée. Ceci dit, attention, ma crainte sur cette rue-là, c'est que le jour où on va l'avoir refaite, elle va être beaucoup plus roulante. Et que dans ce secteur-là, il ne faudrait pas qu'on nous dise après, mettez des ralentisseurs, parce que ça roule trop vite, parce que je sais que ça va se passer comme ça. C'est une route qui est un peu isolée, loin de tous. Ça peut être l'endroit où, soit avec des motos, soit avec des voitures, on fait les guignols ou les marioles. Je ne voudrais pas que ce soit générateur non plus d'accidents dans un secteur qui s'est développé en termes d'habitat. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, il faudra intégrer aussi cette problématique-là. La question suivante est posée par Nadolande. Pourquoi ne pas consulter les habitants du quartier avant de lancer une résidence de 21 logements à Albert Méhari ? Moi, je suis assez favorable à la concertation, mais il y a un moment donné, on ne va pas demander l'avis à tout le monde à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Donc là, c'est du domaine aussi du privé. Ce lotissement a été créé par un investisseur sur des espaces fonciers qu'il a achetés. Et qui revend en termes de lotisseur à des habitants. Donc chacun voudrait aussi avoir 10 hectares autour de soi pour ne pas avoir de voisins. C'est juste pas possible. Et c'est d'autant pas possible qu'on est de plus en plus contraint, ça me paraît assez logique, de développer l'habitat, justement de ne pas étendre la ville et de développer à proximité, notamment ce qu'on appelle dans des dents creuses, des espaces fonciers qui existent. Et il est préférable d'un point de vue environnemental qu'on puisse autoriser effectivement des constructions et de lotissements à proximité de ce qui a déjà été construit plutôt que manger d'espace agricole. Et une fois encore, on nous l'interdit. Ça me paraît tout à fait logique puisqu'il va bien falloir à un moment donné continuer à nourrir nos terriens. Et plus la population sur la terre augmente, et puis on a trop consommé l'espace agricole. Donc il faut qu'on se contraigne, en tout cas l'État nous contraint. Et ça me paraît assez logique, alors il faut trouver le bon équilibre à chaque fois, qu'on puisse construire de l'habitat à proximité, dans les villes, dès qu'on a l'opportunité. Bon, et puis la construction d'un lotissement, ça ne veut pas dire forcément, c'est pas synonyme forcément de problème. Au contraire, ça peut créer de l'animation, ça peut créer de l'attractivité dans certains quartiers. La question suivante est posée par Louis Lestrade. Quand allez-vous revêtir la rampe Marceau ? Car je suis motocycliste et cela est très très dangereux malgré un respect de la vitesse à 30. Écoutez, moi je suis pratiquant de deux roues aussi. La rampe Marceau, enfin si toutes les rues de Bourges pour les motocyclistes étaient dans la qualité de la rampe Marceau, à mon avis ça serait plutôt bien. C'est pas le cas. Si vous roulez effectivement à 30 km/h, alors je ne dis pas que ça ne patine pas des fois sur les passages piétons, hein, sur les pavés, là je suis assez d'accord, d'autant plus que voilà, si la rue est un peu grasse, s'il a plu ou si à cette période on commence à avoir des feuilles, ça peut arriver. Mais très objectivement, en étant prudent en descendant la rampe Marceau ou en remontant à 30 km/h, je ne pense pas que ce soit une source de danger. Il y a d'autres secteurs à Bourges qui seront à mon sens beaucoup plus dangereux, notamment pour les deux roues. Voilà, donc peut-être qu'il faut revoir, mais sincèrement, ça ne me semble pas du tout être une priorité. Hein, parce que je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais il y a d'autres endroits où les choses sont beaucoup plus compliquées qu'ici. Une question de Brice. Pourquoi avoir mis la rue Gustave Ferry payante et ne pas avoir mis de dérogation pour ceux qui travaillent ?
Parce que alors, la raison du stationnement payant, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, on a revu le stationnement payant à proximité notamment des parkings ouvragés qui étaient payants, ou alors on a veillé aussi à ce qu'il y ait une cohérence dans des rues qui étaient payantes et celles à côté qui n'étaient pas. Alors oui, c'est une contrainte, mais c'est aussi un avantage, puisque, comme je le disais tout à l'heure dans ma réponse, c'est que ça permet un turnover pour certains véhicules, et c'est un besoin aussi pour les commerçants que les clients potentiels puissent avoir la possibilité de se garer pas trop tard pour aller faire leurs achats. Et si on a des zones qui ne sont pas payantes, ben effectivement, le risque, c'est d'avoir des voitures tampons qui ne bougent pas tout au long de l'année, et donc ça ne va pas dans le sens d'aider le commerce. Pour ceux qui travaillent à Bourges, qui n'ont pas de problème de handicap, parce que je sais que j'échange de temps en temps sur les réseaux sociaux avec une personne qui travaille dans le centre-ville et qui est en situation de handicap, c'est vrai que ça peut être contraignant. On a cette chance à Bourges, hein, c'est d'avoir beaucoup de parkings qui ne sont pas payants. Hein. Alors on parle de la place Hérocourt, mais il n'y a pas que la place Hérocourt. Il y a le plateau d'Oron, enfin l'ancien plateau de la machine agricole, on a le parking de Joinville, on a le parking du Prado, et puis il y a le cours Anatole France. Donc je crois qu'il y a eu un classement qui a été fait, je crois qu'on est dans les deux premières villes en ratio, qui a le nombre de villes, le ratio entre le nombre de places gratuites et le nombre de places payantes à Bourges. On est dans les deux premières villes, si on n'est pas le premier, on doit être le deuxième. Ça veut dire qu'on a une possibilité de stationnement gratuit, et qui est énorme. En plus, ce sont souvent des stationnements qui sont à proximité du centre-ville pour quelqu'un qui veut un peu marcher. Il suffit de vouloir marcher les limites un quart d'heure. C'est bon d'ailleurs pour la santé et c'est tout à fait faisable, je dirais, à Bourges. Et puis, ce qu'on a quand même rajouté aussi, hein, c'est la troisième navette non payante, hein, qui a été mise en place au mois de septembre l'année dernière, qui permet justement de faire la jonction de tous ces parkings. Hein, elle part du Prado, parking du Prado, elle dessert Joinville, elle dessert le plateau d'Oron, elle remonte jusqu'à la place Hérocourt, donc elle fait cette boucle-là. Et donc quelqu'un qui ne veut pas payer le stationnement, ce qu'on peut comprendre à la limite, et qui veut se déplacer en centre-ville pour travailler d'ailleurs ou pas d'ailleurs, il a tout à fait cette possibilité avec des parkings qui ne sont pas payants et qui ne sont pas toujours pleins. Et puis une navette non payante qui permet de venir en centre-ville. Et puis il y a la marche à pied, puis il y a le vélo. Hein, donc c'est bien de faire du sport aussi. Une question d'Esteban Soubiran. Pour quand le développement du vélo à Bourges ? Notre président aurait dit dans le passé, le développement du vélo, c'est maintenant. On n'a pas attendu, hein, le développement du vélo a pris naissance déjà depuis quelques années. Donc on est en train de monter en puissance. Vous savez, on a mis des opérations de vélo à disposition à la ville. On va augmenter d'ailleurs le parc. On réédite l'opération d'aide à l'achat des vélos électriques, hein, en fonction des coefficients familiales. On développe les aménagements cyclables. Bon, la rocade, on essaie d'avancer sur cette rocade, mais bon, là, on a des problèmes un peu techniques et de propriété qui nous ralentissent un peu. On fait des aménagements vélos, qu'ils soient partagés ou en site propre. On sécurise aussi tant que faire se peut, hein, notamment quand on réduit le nombre de voiries pour laisser justement de l'espace au vélo. On a le plan vélo intercommunal, hein, porté par l'agglomération, qui va permettre de développer des aménagements cyclables sur l'ensemble de l'agglomération, en particulier sur toutes les communes de l'agglomération et permettant de lier les communes entre elles, et notamment sur la ville-centre. On a l'aménagement porté par le syndicat de Canal du Berry, l'aménagement du Canal du Berry à vélo, hein, qui va participer aussi à tout ça. Donc c'est toutes ces actions qu'on mène. Et je crois, alors c'est toujours compliqué de compter, mais en observation instantanée, je ne sais pas si vous l'avez constaté, il me semble qu'il y a de plus en plus de vélos, il y a de plus en plus de cyclistes à Bourges. Et c'est tant mieux, parce que, vous savez, il y a beaucoup de déplacements à Bourges, mais il y a de très faibles distances. Je crois que, de mémoire, 60% des déplacements à Bourges font moins de 3 km, je crois, ou 2 km, 3 km de mémoire. Et parmi ceux-là, il y a 80% qui font moins de 1 km. Je vous donne un exemple. Dans les comptages qu'on a fait, comptage véhicule fin mai, que j'ai évoqué tout à l'heure en début de chat, on a constaté un fort pourcentage, je crois que c'est 15% des véhicules. Donc on est vraiment sur l'hypercentre, hein, l'intérieur de la petite couronne. On a 15% des véhicules qui empruntent la rue moyenne, entre autres, qui font de l'hypercentre à l'hypercentre, notamment sur les heures de pointe.
C'est-à-dire qu'on prend sa voiture pour faire un kilomètre. Ça, je pense qu'aussi, il faudrait changer un peu les comportements. D'abord, parce que les modes doux, c'est bon, une fois encore, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. Et puis, c'est plus agréable, il me semble. Une fois encore, quand on peut le faire. Mais je crois que c'est une question aussi de volonté, puis aussi d'aménagement. Donc, et le sujet, le plan national cœur de ville participe à ça, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va travailler sur l'amélioration des espaces. Des espaces urbains en centre-ville, et évidemment, on intégrera tout ça, ces déplacements doux, dans ce plan aussi. Une question de Rémi. Une constatation. J'habite à côté de l'ancienne piscine Robinson et j'ai peur que la nouvelle activité canine sur ce terrain perturbe le calme de mon quartier. Écoutez, l'activité canine qui se développe sur ce terrain-là a eu lieu pendant 3 mois à titre d'essai. On n'avait peut-être pas aperçu, en fait, mais moi, quand on m'a fait cette proposition, j'ai dit attention, parce que j'avais les mêmes craintes que vous, en disant faut absolument pas que ça gêne donc, la vie des voisins. Et donc, la personne qui porte ce projet-là, j'ai dit ok, mais on va tester pendant 3 mois. Et puis, on va voir si on a des réactions. Et donc, il n'y a pas eu de réaction. Donc, on a considéré qu'il n'y avait pas de risque. Donc, à l'instant T, maintenant, on gérera si les problématiques arrivent. En tout cas, il faut savoir que les chiens ne seront pas là la nuit. Ils seront là que le jour. Et c'est vraiment du dressage, si j'ai bien compris. Mais du dressage docile, quoi. C'est pas pour dresser les chiens à l'attaque. C'est simplement pour que les maîtres puissent, on va dire, dompter un peu leur animal. Donc voilà, c'est très très soft. Donc, je pense qu'il n'y a pas de risque là-dessus. La question suivante est posée par Claudine. Quand pouvons-nous espérer des places de parking PMR devant le cinéma MCB ? Le cinéma MCB, ah oui, la maison cinéma, de la culture. Le cinéma, donc, Boulevard Clemenceau, c'est ça ? J'aurais tendance à dire, il suffit de demander. Je ne pense pas qu'il y en ait de mémoire, là, j'y passe assez régulièrement. Je vous engage à me faire un petit email, un courrier ou à mon attention. Et puis on regardera effectivement la possibilité de mettre des places de stationnement pour personnes en mobilité réduite s'il n'y en a pas. Mais je crois que vous avez raison, je ne en visualise pas comme ça. Une question de Christophe. Quand la patinoire sera enfin réouverte au public ? Il va falloir un petit peu de temps, alors plus qu'on imaginait, parce que tout simplement les dégâts causés par l'incendie sont plus importants qu'on l'imaginait au départ. Bon, après, il y a eu toujours dans ces problèmes d'incendie la bagarre des experts pour essayer de déterminer les responsabilités. Donc ce débat, il est quasiment terminé. Puis une fois que le débat d'experts a eu lieu, il y a le débat des assurances. Bon. Peu importe, on a anticipé en fait ce débat puisqu'en fait on a identifié maintenant les travaux qu'il fallait faire. On est en train de constituer les dossiers de consultation des entreprises. Les consultations vont être lancées d'ici la fin de l'année, donc on va voir des réponses. Il va falloir analyser effectivement ces réponses et on entamera les travaux. C'est quelque chose qu'on peut imaginer commencer les travaux à l'été prochain, puis il va falloir le temps de les faire. Donc j'ai un peu de mal à m'engager sur un délai, mais en tout cas ça sera très peu probablement en 2019. Jeanne voudrait savoir si les travaux de l'îlot Victor Hugo vont remettre en question l'implantation du village de Noël. Ah, pas du tout. Pas du tout. Donc on va isoler d'abord pendant cette période de travaux. Donc dans quelques mois, donc on stoppera en fait. On va isoler complètement l'îlot Victor Hugo. Donc les travaux qui auront lieu seront à l'intérieur. Donc les rues seront ouvertes. La rue moyenne sera ouverte de nouveau. Toutes les rues autour seront ouvertes, donc l'implantation, ça ne posera aucun problème en tout cas. Et puis, ça peut-être même être une évolution, il faudra qu'on y réfléchisse, mais bon, même si on n'a pas été sollicité aujourd'hui par le concessionnaire, mais la place, telle qu'elle sera faite, pourra peut-être recevoir, je ne sais pas, peut-être d'autres manifestations à l'hiver 2019. Mais en tout cas, voilà, sur l'implantation 2018, il n'y a pas de souci, le village de Noël aura bien lieu. Et dans les mêmes configurations que celui des années précédentes. Une question qui nous vient de la session précédente, posée par Lisa. Comment développer l'attractivité étudiante et l'emploi pour donner l'envie aux jeunes de rester à Bourges ?
Eh bien, c'est d'abord, il y a des jeunes qui viennent à Bourges, hein, qui ont envie d'y rester. Et puis, vous savez, il y en a qui partent et puis qui reviennent, hein, qui sont bien contents de revenir au Bercail. Et puis, il y en a qui partent et puis qui ne reviennent pas. Bon, c'est la vie. Hein, vous savez, moi, originaire de Vichy, j'ai quitté ma ville, non pas parce que je m'y trouvais bien, mais il y a des circonstances de la vie qui font qu'on change de lieu. Et c'est pas très grave. Et je suppose qu'il y a des jeunes qui n'étaient pas Vichy qui sont aujourd'hui. Donc ça, c'est la vie. Il faut qu'on développe encore, notre pôle universitaire. Hein, c'est le cas. On s'était engagé d'ailleurs en 2014 hein, sur la filière STAPT hein, qui a démarré début octobre, depuis quelques semaines. Donc c'est 60 étudiants de plus à cette rentrée. Il y en aura 120 l'année prochaine et près de 300 l'année d'après. Donc ça fera, plus il y aura de jeunes étudiants, plus il y aura une communauté étudiante, plus ça donnera envie aux jeunes de venir. On est en train de travailler aussi, j'avais une réunion importante hier à Paris sur une formation des métiers des arts et du spectacle. Hein. J'évoquais ça avec le président Bonneau encore cet après-midi. Donc voilà, c'est ça qu'il faut créer. Il faut qu'on s'appuie sur les choses qui sont vivantes. Et notamment, il y a un axe qu'on est en train de développer fortement avec l'agglomération, c'est tout ce qui est lié à la musique. Et au spectacle, puisque en fait, ça fait partie de notre ADN. Hein. Alors, on parle évidemment du printemps de Bourges, mais pas que. Hein. Il y a Net à Bourges, il y a toute la culture qui se développe à Bourges. Et sur cet axe, qui est un axe fort, où il peut y avoir du développement économique, la venue de start-up, ça peut intéresser les jeunes. Le site de l'AITOL participe à ça. Quand on regroupe dans un même endroit des étudiants, des restaurants universitaires, des résidences universitaires, des bâtiments où des start-up peuvent évoluer, des couveuses d'entreprises, des pépinières d'entreprises, tout l'accompagnement de l'innovation qu'on fait aussi au niveau de l'agglomération, les laboratoires aussi qui sont présents. C'est vraiment, sur ce pôle, tout est fait pour créer effectivement de l'émulation. Et voilà, et bon, mais les choses ont évolué, hein. Faut revenir quelques années en arrière. Hein. Voilà, je crois que des choses se font. Il y a beaucoup d'animations qu'on lui a Bourges aussi. Je crois que les jeunes aujourd'hui s'y intéressent parce qu'on leur a donné aussi des outils, hein, comme notamment le sortir à Bourges, hein, qui permet d'un clic de savoir ce qui va se passer dans les heures ou les jours qui viennent sur notre ville et sur l'agglomération, repris sur les panneaux numériques. Donc voilà, il y a tout ça qui est important. C'est le travail sur les transports en commun aussi. On a rajouté, par exemple, pour les étudiants, ce qui n'existait pas avant, une sorte de navette à la demande de dimanche soir quand les jeunes reviennent étudier sur Bourges. Donc il faut donner envie à notre territoire. Et pour donner envie à notre territoire, il faut que chacun disent qui est bien sur notre territoire. Je suis désolé, je voyais encore, j'ai failli répondre sur les réseaux sociaux, mais je ne fais plus maintenant parce que je ne veux pas rentrer dans le jeu, de réflexion ce matin, dont d'ailleurs une internaute qui a posé une question en début de chat, en disant qu'il n'y avait rien qu'à la Bourges, les poubelles jaunes et les poubelles vertes. Quand on parle de ça, on a l'impression qu'on a 10 ans de retard. Bon, peut-être qu'on a 10 ans de retard, mais en tout cas, on le fait hein, sur le développement, les problèmes de stationnement, les problématiques de santé. Oui, mais il y a un tas de choses qui fonctionnent bien à Bourges, il faut le dire. Il faut être fier de notre territoire. Et pour quand on me parle de faire venir de jeunes ou d'augmenter la population, ben, si vous n'avez que des individus qui disent que du mal de leur ville, qu'elle est sale, mal entretenue, que les routes sont mal entretenues, que les poubelles jaunes, les poubelles ceci et cela, eh ben, c'est sûr qu'en faisant la publicité comme ça, vous n'aidez pas à donner envie à venir sur notre territoire. Et pour les jeunes, c'est pareil. Je crois qu'il faut arrêter de dire que rien que pour les jeunes, il y a des choses, tout est perfectible, il y a sans doute d'autres choses à faire, mais en tout cas, les choses qui fonctionnent bien, il faut le dire. Voilà, donc soyez, comme je le dis à chaque fois, des ambassadeurs de Bourges, dites ce qui va bien, dites ce qui est bien, et c'est comme ça qu'on fera venir des jeunes et qu'on augmentera la population de notre territoire, entre autres. Et on est arrivé à la dernière question, elle est posée par Esteban Soubiran, et qui vous demande ce qu'il en est pour le nouveau centre aquatique. Le centre aqualudique et de bien-être. Écoutez, on avance, enfin pas petitement parce que c'est un vrai sujet. Hein. On imagine que c'est assez simple, il suffit d'avoir un terrain, il suffit de monter des moellons ou des parpaings et puis mettre de l'eau à l'intérieur. C'est pas si simple que ça. Il faut les terrains, donc on les a encore pas achetés, mais il y aura
Il y a deux terrains qui sont concernés. Il y en a un qu'on va acheter donc, d'ici la fin de l'année. Le deuxième, ce sera l'année prochaine. Et puis, on est en train de travailler sur la constitution de ce qu'on va mettre dans ce centre aqualudique et de bien-être, avec les conséquences que ça peut avoir. Parce que, voilà, je prends simplement un exemple. Créer un centre aqualudique peut avoir des conséquences sur les piscines qui sont sur l'agglomération aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'il y ait un déport, je dirais, de la population qui utilise les centres nautiques aujourd'hui, les piscines de l'agglomération, sur le centre aqualudique, parce que les piscines des autres communes ben, fonctionnent aussi, et puis ont un coût de fonctionnement. Il faut aussi des nageurs pour la faire vivre. Donc c'est tout ce travail aussi, le stratégique. Il faut qu'on travaille avec notamment l'ensemble des maires des communes qui sont concernées, enfin... En fait, c'est Madame le maire de Saint-Germain-du-Puy et puis le maire de Saint-Doulchard. Donc, tu as toute cette stratégie, puis la stratégie foncière. Comment porter l'investissement avec, est-ce que c'est un investissement public? Est-ce qu'il faut qu'on passe par une concession ou c'est un partage, on va dire, de risques entre la collectivité et le privé? Donc, c'est tous ces sujets qu'on est en train de traiter en parallèle. Mais voilà, les choses avancent, on en visite, on va voir des choses ailleurs aussi, ce qui s'est fait. Par des retours d'expérience, à chaque fois on est bien reçu, on nous explique parfois des ratés, des choses qui marchent bien, donc il faut qu'on s'imprègne de tout ça. Et puis il y a le volet bien-être aussi, qui est un sujet très important, parce qu'on a voulu sur ce projet-là faire quelque chose de différent, ne pas faire qu'un centre aqualudique. C'est aussi le volet bien-être qui est très important, notamment sur la prévention. La prévention des maladies. On est très acteurs et on va être très présents, notamment sur la politique portée aujourd'hui par le gouvernement de sport sur ordonnance et pouvoir aussi peut-être faire pratiquer de la prévention aux maladies qui peut être physique ou cardiovasculaire. Donc il y a cet élément-là. Puis le deuxième élément, sur la reconstruction de sportifs ou non d'ailleurs qui ont un accident de sport, accident de voiture ou autre accident. Et ça peut être un lieu, comme on le fait au CREPS avec les militaires qui sont blessés, qui viennent au CREPS régulièrement pour la reconstruction, et peut-être s'associer justement avec le CREPS sur ce volet bien-être. Donc ça, c'est un sujet très, très spécifique et ça demande beaucoup de réflexion. Mais en tout cas, le projet avance. Et puis, il va falloir un peu de patience encore, mais en tout cas, il est bien parti et je crois que c'est un outil qui nous manquait. Donc, si j'ai bien compris, Sabine, c'était la dernière question. Oui. Voilà. Donc, il n'y en a plus d'autres derrière, ou en tout cas pour cette session-là. Donc, d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour toutes ces questions encore pertinentes que vous m'avez posées ce soir. J'espère que j'ai répondu comme vous l'imaginez. En tout cas, ça a pu vous apporter un éclairage sur des sujets évoqués. Une heure, ça passe vite. J'essaie d'aller vite dans mes réponses. On me dit que je suis toujours trop long, mais j'essaie d'aller vite dans mes réponses. Mais en tout cas, les questions que vous n'avez pas posées, enfin qu'on n'a pas pu transmettre aujourd'hui, seront reportées, vous l'avez vu, à la séance prochaine. Et puis, puisqu'il y a prochaine séance, eh bien, je vous le dis, c'est déjà le mardi 13 novembre à 19h. Même endroit pour vous, même endroit pour moi, j'espère. Voilà, en tout cas, donc préparez vos questions. Et puis, merci encore, merci de cet échange transparent. J'y suis très attaché. J'adore cette période que je partage avec vous à travers cette caméra, à travers le net. Et en attendant de nous retrouver donc, le 13 novembre prochain, je vous souhaite une très très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.